Mais il est bien stable. Dupuis peut ouvrir sur Prenduc. Mermoz aussitôt sur Médard, l'accélération de Médard qui peut faire essayer. Cédric Hamard devant demander Cédric Hamard qui a échappé au plaquage de James qui dépose. Il va repousser de oh, il est bon, Cédric Hamard éblouissant d'action de l'ailier de l'équipe de France qui d'entrée de jeu en seconde période vient planter le premier essai des Bleus dans ce match. Quel festival, il a déposé littéralement trois défenseurs All Black. Cédric et non, c'est mouillé, Aïna qui n'en revient pas, les Français sont relancés. Ah, sur cette attaque, Brémard à la française, avec cette passe sur un pas de Mermoz, voilà. Et là, un 2 contre 1 joué dans un mouchoir, et derrière, mais 4 débords sur Mouliana, il reste extérieur, et crochet intérieur entre deux défenseurs. Eh bien, tout le monde est au paquerette. Un festival signé Cédric Hémans qui va relancer l'équipe de France dans ce deuxième test. Mermoz sur un pas, sur Corinne Smith, et derrière, ça frôle les lignes. Corrigian est pris, Mouliana 4 débords, on sait que c'est sa spécialité. Il cherche le soutien, il n'y en a pas, mais il y va tout seul. C'est vraiment laissé à la française, c'est magnifique. Du grand Cédric Hémans, c'est la joie dans le camp tricolore. Tout reste à faire dans ce deuxième test. Les Blacks ne mènent plus que 8-5 en attendant la transformation.